Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Un jour, le Seigneur a dit à ses disciples, de prendre la barque et de passer à l'autre bord. Et du coup, bien aimé, Rabbi a commencé à marcher sur l'eau. Et quand les disciples ont vu un homme qui marchait sur l'eau, la Bible dit que ils ont été angoissés et tous ont commencé à trembler de peur. Alors plus le Seigneur s'approchait, à une certaine distance, il leur a dit, n'ayez pas peur. Je voudrais dire à une personne ici ce matin, qui voit sa fin, n'aie pas peur. C'est maintenant que ta vie commence. Amen. Dans le bonheur. Amen. Et tu reçois l'onction de cette bénédiction. Amen. Tu reçois l'onction de cette parole. Amen. Si tu es malade, reçois l'onction de la guérison. Au nom de Jésus. Si tu es possédé, reçois l'onction de la délivrance. Au nom de Jésus. Si ta vie est bloquée, reçois l'onction du déblocage. Au nom de Jésus. C'est maintenant que ta vie commence. Au nom de Jésus. Tu ne périras pas. Au nom de Jésus. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi, Rabbi. Tant que Jésus est là, la peur doit partir. Amen. Pas seulement la peur, mais l'esprit de mort qui envoie cette peur doit partir. Nom de Jésus. Et la maladie doit te quitter. Nom de Jésus. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. C'est moi, Rabbi. Les disciples se disent à eux-mêmes, ah! Mais depuis que tu es avec nous, tu n'as jamais marché sur l'eau. Qui peut marcher sur l'eau si ce n'est pas un revenant, un génie? Le Seigneur leur a dit, n'ayez pas peur. Même si c'est un génie, n'ayez pas peur de ce génie. Et bien aimé, plus le Seigneur s'approchait, Simon Pierre a dit, Rabbi, si c'est vraiment toi qui marches sur cette eau et qui vient vers nous, permets que moi aussi je puisse marcher sur cette eau pour aller à ta rencontre. Et le Seigneur lui a dit, viens, un seul mot, un mot de foi. Et ça a donné la foi à Simon Pierre. La peur l'a quitté. Non. Tu as besoin d'une parole de foi. Non. Non.
Et cette parole de foi, c'est que le fait que tu te sois déplacé, aussi difficilement ça a été difficile pour que tu puisses venir sur cette montagne pour avoir le transport. La maladie t'a fatigué. Ça n'a pas été facile pour que tu puisses arriver. Mais le fait que tu aies persévéré et que tu sois arrivé sur la montagne, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que le fait que tu sois venu, voici, reçois ton miracle. Jésus. Cette parole vient enlever la peur, le doute dans le cœur de la vie de Pierre. Et lui qui n'avait jamais marché sur l'eau, bien aimé, il a mis son pied, un pied sur l'eau, deuxième. Et il a commencé à marcher en allant vers le Seigneur. Il a commencé à marcher, à marcher, à marcher, à marcher en allant vers le Seigneur. Mais tout à coup, les Saintes Écritures disent que entre lui et le Seigneur Jésus, il y a eu un vent. Quand le vent a soufflé, violent, un vent violent. Quand ça soufflait, ah, la peur est revenue encore en Pierre. Et quand la peur est revenue en Pierre, dans son état de tremblement, il a regardé à terre. Il pensait que c'était la terre, or c'est l'eau. Quand il a vu l'eau, la peur s'est augmentée encore. Et comme la peur a pris la place de la foi, alors il a commencé à se noyer, à s'enfoncer. Mais il a crié, Rabbi, Seigneur, sauve-moi car je péris. Et la Bible dit que d'un seul pas que le Seigneur a fait, il a pris sa main et puis il a sorti de l'eau. Et lui a dit, Pierre, tu avais bien commencé, pourquoi est-ce que tu as douté? Pourquoi est-ce que tu as eu peur? Bien-aimé, l'eau est le symbole des problèmes, des maladies, de la souffrance. Mais parce que Simon-Pierre a entendu la voix de Jésus, il a pu marcher sur cette eau. Il marchait sur ses problèmes. Amen. Il marchait sur ses maladies. Amen. Il marchait sur la souffrance. Amen. Il marchait et il marchait. Amen. Mais au moment où il était à la porte de remporter le prix de sa foi, le diable a relâché, a envoyé un vent. Et au lieu de regarder au Seigneur Jésus, il n'a pas regardé à Jésus, il a regardé au vent et à l'eau. Il a eu peur et la peur l'a fait enfoncer dans l'eau. Il était revenu dans le naturel alors qu'il était dans le surnaturel. C'est pour dire que tant que, malgré vos problèmes, vous levez les yeux et vous pointez vos regards sur le Seigneur Jésus, vous triompherez. Amen. Sur les maladies, vous aurez des victoires. Sur les blocages, il y aura des déblocages. Sur les situations difficiles, vous marcherez là-dessus. Tant que vous avez les regards fixés sur le Seigneur Jésus, au moment où c'est dur, vous allez à l'église. Vous chantez. Vous louez le Seigneur. Vous lisez la Bible. Amen. Vous priez. Amen. Vous évangélisez. Amen. Vous aimez le Seigneur. Amen. Pendant que c'est difficile, le Seigneur vous donnera alors de marcher sur l'eau, sur les problèmes, Amen. Sans vous enfoncer. Amen. Mais quand ça devient un peu plus dur, si vous vous découragez, vous prenez peur.
et vous commencez à douter, et que vous détournez vos regards du Seigneur Jésus pour regarder à vos problèmes, et puis dire, ma sœur, tu as raison, j'ai prié jusqu'à ce que je suis fatigué, ce que tu me dis maintenant là, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Mon frère, tu as raison, je suis fatigué. Ce n'est plus la peine. Vous allez vous enfoncer dans l'eau. Et si telle est la situation de quelqu'un en ce midi, le Seigneur te tend la main. Amen. Pour te faire ressortir de cette eau. Amen. Pour te faire ressortir de ses soucis. Amen. De ses inquiétudes. Amen. De ses blocages. Amen. De ses échecs. Amen. De ses malheurs et de ses malédictions. Amen. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Oh Boshi Korobosh. Oh Bosho Korobosh. Massacre. Très souvent, c'est quand nous sommes à la porte de notre bénédiction, de notre miracle, que ces gens de tempête arrivent, c'est-à-dire que les problèmes deviennent plus difficiles, plus durs. Le diable veut détourner notre regard de Jésus pour que nous puissions regarder que problème. Alors on perd la vie de prière et on perd la foi. Alors quand on perd la vie de prière et la foi, on sort du surnaturel, c'est-à-dire du miracle, et on descend maintenant dans le naturel. Il ne faut pas faire cela. Écoutez très bien, la Bible nous dit que d'un pas, c'est-à-dire que quand Pierre a crié, Rabbi, au secours, je me noie, je péris. La Bible dit que le Seigneur n'a fait qu'un pas. Ça veut dire que Pierre était à un mètre, à un seul pas pour arriver devant le Seigneur, pour qu'il remporte l'espoir. Pour qu'il remporte la victoire. Amen. Pour qu'il remporte l'espoir. Amen. Mais c'est à la porte là que le diable a libéré le vent et la tempête pour le perturber, pour le troubler. Il n'y a une personne qui se trouvait à un pas de son miracle. Mais le diable a envoyé quelqu'un pour décourager la personne. Mais Dieu a permis que tu puisses arriver ici. Alléluia. Le Seigneur t'arrache de cette eau en ce matin au nom de Jésus. Il arrache tes biens de cette eau. Il arrache ton nom de cette eau. Il arrache ton travail de cette eau. Il arrache ton argent de cette eau. Il arrache ta famille de cette eau. Il arrache tes entrailles de cette eau. Au nom de Jésus. Il arrache ses bénédictions de cette eau. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui est à la porte de son miracle et qui subit un combat terrible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je relâche sur toi l'onction du triomphe. L'onction de la victoire. L'onction du triomphe. L'onction de la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne le triomphe. Amen. Le Seigneur te donne la victoire. Amen. Il te donne le triomphe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour te dire ce matin, ne pleure plus, ne crains plus, la solution est là, voici la solution, prends ton miracle, tu es la porte de ton miracle. Amen. Reçois ton miracle. Nom de Jésus. Traverse cette porte. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Nom de Jésus. Reçois ta guérison. Nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Nom de Jésus. Reçois la paix. Nom de Jésus. Reçois la joie. Nom de Jésus. Reçois ton déblocage. Nom de Jésus. On acclame le Seigneur. La solution est là. Dieu a entendu tes cris pendant ces 3 jours. Dieu a vu tes pleurs pendant ces 3 jours. Amen. Tes jeûnes sont montés jusqu'à lui. Amen. Tes prières sont montées jusqu'à lui. Amen. Et ainsi, à cause de toi, il a ouvert les cieux. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a montré des anges qui prenaient les prières et qui te faisaient monter vers l'Éternel et qui redescendaient avec les solutions.
qui étaient des gros paquets de cadeaux qu'il remettait à chacun ici. On acclame le Saint-Esprit. Gloire à la chata ma sorte qui ria bala sorte qui rambasata bala sorte qui. Nous allons nous tenir debout. Prions et remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour sa parole prophétique. Korabashata rabasateki. Dieu est esprit. Il faut que c'est lui qui la donne en esprit et en vérité. La donne en esprit et en vérité. Dieu est présent, les deux bras vers le ciel. Il faut que c'est lui qui la donne, la donne en esprit et en vérité. 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 Levons les deux bras vers les cieux et restons dans la présence de Dieu dans un calme et dans un silence divin pour permettre au Saint-Esprit de oindre nos mains, de nous oindre pour nous guérir à l'endroit même, là où se trouve cachée notre maladie, et pour permettre au Saint-Esprit de chasser l'esprit maléfique qui est derrière toi ou qui est en toi pour que tu reçoives une libération complète par la puissance de Jésus.
les deux bras vers le ciel, gardant le silence, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Le vent souffle où il veut, il se dirige où il veut, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où il va, il en est de même pour le Saint-Esprit. Le vent de Dieu va se diriger vers toi. Est entouré d'une onction et faire descendre en toi une onction ou poser une onction au-dessus de toi et tu reçois ton miracle et tu reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois le feu de la délivrance. Reçois le feu de la guérison. Reçois le feu de ton miracle. Reçois la décharge de l'onction de ton miracle. La décharge de Dieu se pose sur toi. Reçois ton miracle de guérison, de délivrance. Reçois ton miracle. Le miracle que tu as demandé à Dieu. Le feu. Mankatasa. Reçois. Des guérisons à distance. Des guérisons à distance. Des guérisons à distance. Par la main du Saint-Esprit qui se pose sur toi et à l'endroit même où se trouve cette maladie. Ah! Reçois la guérison. Reçois. Reçois la délivrance, les délivrances à distance, les délivrances à distance. Il y a un vent de feu qui souffle sur toi. Un vent de feu qui souffle sur toi. Reçois ton miracle. Merci Saint-Esprit.
Alléluia. Maintenant, les mains que tu as levées au ciel, ont été ointes par le Saint-Esprit. Pose la main là où tu as mal maintenant. Et je vais prier. En vertu de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée sur le diable, sur les esprits impurs, sur les malédictions et sur toute maladie et sur toute la puissance du diable. Je me tiens dans le sang de Jésus et je me lève contre tout esprit de maladie au nom de Jésus. Je brise tes racines, nom de Jésus. Je brise tes chaînes, nom de Jésus. Je brise tes liens, au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir, au nom de Jésus. Quelle que soit ta nature, toi, cette maladie, tu n'es rien devant le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Car Jésus a payé le prix pour que quiconque lui a donné sa vie et s'approche de lui puisse recevoir et la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus, je t'ordonne, j'ordonne à tout esprit de maladie de partir, de partir, de quitter, de quitter, de quitter, de quitter le corps, de quitter le corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je relâche sur ta vie l'onction de la guérison. Au nom de Jésus. L'onction de la guérison. Au nom de Jésus. L'onction de la guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta 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 guérison. Au nom de Jésus. Guérison. 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 Reçois. Guérison. Reçois. Reçois. Guérison. Reçois. Guérison. Ton miracle. Guérison. Ton miracle. Guérison. Ton miracle. Guérison. Ton miracle. Guérison. Un miracle se passe. Dans ton cœur. Guérison. 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 Reçois ta guérison. 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 Dans ton ventre. Reçois ta guérison. 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 Un miracle. Guérison. Qui se passe. Guérison. 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 Dans tes entrailles, dans ton ventre. Guérison. 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 Dans tes poumons. Dans tes poumons. Reçois. Guérison. 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 Guérison, 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 guérison. Un miracle se passe dans ta tête. Reçois ta guérison. Guérison, 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 guérison. Un miracle se passe dans ton sang. Guérison.
la maladie mystère. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ce corps. De quitter ce corps. De quitter ce corps. De quitter ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. L'esprit de maladie te relâche. Au nom de Jésus. L'esprit de maladie te relâche. Au nom de Jésus. L'esprit mystère te relâche. Au nom de Jésus. L'esprit mystère te relâche. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison, pour ton miracle. Remercie le Seigneur pour ta guérison, pour ton miracle. Remercie le Seigneur. Dites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise. Car je suis ignorant, à Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire.